C'est Laurence Chabet de l'atelier Scrap Émotion. On va se retrouver aujourd'hui pour la présentation de ma page complexe Manteau Blanc. Page complexe que j'ai eu l'occasion de réaliser autour du thème Fleurs séchées et du gabarit Bangkok en ce mois de janvier 2024. Je peux dès à présent, enfin c'est dès le 6 février, non le 5 février pardon, c'est tout bientôt si vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, enfin voilà, ce sera pour tout bientôt. Vous pourrez la trouver sur ma plateforme de formation et on va ici la découvrir. J'ai eu l'occasion de la réaliser avec des photos magnifiques de neige puisque il y a un petit peu plus d'une semaine, j'ai été me promener dans mes montagnes avec ma sœur Melinda et j'ai en 2 heures eu l'occasion de faire plus de 400 photos, c'était merveilleux, on avait vraiment une couche de neige fraîche incroyable, on a fait de la raquette et les paysages étaient extraordinaires. Je suis très contente d'avoir pu mettre en valeur ces photos immédiatement au travers de cette page complexe que je vous propose. Pour réaliser le décor de cette page, hein, qui est ici et se décline sous plusieurs formes, on va travailler avec plusieurs éléments. Tout bien entendu avec de l'encre, donc on va avoir des encres Fuji et noires sur ce projet, qui sont bien sûr à accorder à votre propre projet. On va travailler avec différents éléments. Alors tout d'abord, j'ai même pas parlé du gabarit, mais on va travailler avec le gabarit Bangkok pour la création de ces feuillets. Il y en a deux, plus une découpe dans la page 30-60. On travaille ici avec une 30-60 Fuji, des feuillets blancs. Mais bien sûr, à accorder à vos propres photos, bien évidemment. On va travailler encore sur ce projet des fonds de papier. Donc la technique, ce sera l'élaboration de fonds de papier avec un effet résiste à la poudre d'embossage blanche, plus des tamponnages complémentaires sur nos papiers qui vont être réalisés avec notamment ici, je prends un carton pour vous les montrer un peu mieux, le tampon diamant fleur séchée qui vient de sortir dans notre gamme. J'ai également travaillé pour l'élaboration de ces papiers avec le mini tampon pose estivale qui est là et ses petites taches. J'ai aussi travaillé bien évidemment avec le micro tampon fleur séchée qui est juste sublime, qui est ici et qui m'a permis de travailler mes papiers de fond. On travaille encore sur ce projet avec le tampon diamant Diaporama qui est proposé dès ce mois de février chez Asa avec tout plein de textes sympas qui vous permettront d'embellir vos créations à coup sûr. On va, il y a encore la matrice fleurs séchées, j'ai oublié de vous la présenter, elle est là. Elle fait partie donc de du set de matrice. Pardon, c'est pas fleurs séchées, c'est brin de fleurs séchées que vous découvrez ici dans notre catalogue de janvier et que je ne me lasse pas d'utiliser parce que je la trouve vraiment somptueuse. J'ai également créé alors une partie de mes titres ici de mon paysage avec le tampon diamant Diaporama, mais également j'ai complété avec un petit titre réalisé à l'Imarque Go qui est là et qui vous permettra de réaliser les titres dont vous avez envie. Cette machine est vraiment formidable. Elle me permet de personnaliser à l'infini mes créations et j'en suis vraiment très contente. On va découvrir ensemble ce modèle qui est composé d'un feuillet pivotant. Voilà, il est fixé sur la partie du dessous. Il va donner accès à ce feuillet-là qui est travaillé avec une découpe de fenêtre pour voir mon décor en dessous. On va pouvoir voir de l'autre côté l'arrière de ce feuillet. Ici, j'ai un mix de photos horizontales et verticales, mais un petit peu plus de verticales si je ne m'abuse. Voilà ce que je vous propose ici. On va pouvoir ensuite découvrir l'arrière du feuillet, enfin de la découpe de la page 30-60, ici une photo horizontale, et ici le centre de ma composition, et pour une fois je me suis mis à l'honneur, donc vous voyez vraiment que ces photos, j'ai vraiment eu de la chance d'être là ce jour-là, et je me suis vraiment éclatée à faire tous ces clichés. Voilà donc ma composition, le centre de ma composition. Je vais maintenant refermer les différents feuillets dans l'ordre. J'espère que cette composition vous aura plu et je vous donne bien sûr rendez-vous sur ma plateforme de formation autour de ce projet que je vous propose. Il suffira de m'écrire un petit email à l'adresse mail qui va s'afficher sur votre écran pour obtenir cette formation et ainsi passer plusieurs heures de création sympathique autour de nos nouveaux produits. Je vous dis à bientôt.
pour une nouvelle formation. Bye bye!